Bonjour à tous, je me présente, Tac Alfred Michael, 38 ans, défenseur central à l'AS Béziers et des Guada Boys. Aujourd'hui, vous allez me découvrir dans Un jour, un Guada Boy. Alors pour commencer, ton surnom. Bon, moi c'est Takal, Tac, Taka ou Mika, tout simplement. Meilleur joueur avec qui tu as joué? Non, pour moi, c'est Julien Ferret, avec qui j'ai joué à Auxerre. Ouais, franchement, ce mec-là, c'est la classe. Joueur le plus technique avec qui tu as joué? Ça serait Flood Haïté. On a joué ensemble au stade de Reims. Et ce mec-là, doué techniquement, habile des deux pieds, il faisait ce qu'il voulait avec le ballon. Je pense que c'est le joueur le plus technique que j'ai côtoyé, bien sûr. Joueur le moins technique avec qui tu as joué? Celle-là, Joker. Faire de mal à personne. Un phénomène contre qui tu as joué? Bah, sans hésiter, Zlatan Ibrahimovic. Quand il jouait au PSG et avec lequel j'ai eu la chance de pouvoir échanger son maillot. Meilleur souvenir de match? Bah, pour moi, c'est avec le stade de Reims, on jouait contre Monaco à domicile. Ils avaient battu 2-0. C'était la saison 2011-2012. Et c'était le match de la montée en Ligue 1. Dès le coup de sifflet final, envahissement de terrain. C'était l'apothéose totale. Et on avait validé notre montée en Ligue 1. Meilleur ami dans le foot. Meilleur ami dans le foot. Bah, pour moi, c'est plus qu'un ami, c'est la famille, c'est comme un frère pour moi. C'est Lucas Doux, qui évolue au Nîmes Olympique. FIFA ou Fortnite? FIFA. PSG ou l'Olympique de Marseille? Bah, Parisien de naissance, PSG. Ton meilleur souvenir de joueur? Bah, meilleur souvenir de joueur. Bah, pour moi, c'est mon premier match professionnel. Hein. Premier match professionnel, c'était avec le Red Star. On évoluait en national. Donc, premier match titulaire. On devait jouer un match de Coupe de la Ligue, saison 99-2000. Coupe de la Ligue, huitième de finale contre Saint-Étienne au Chaudron. Je me rappelle, il y avait la grosse armada devant Alex Aloisio. Et on était parti se qualifier là-bas en les battant 3-1. Et pour une première, franchement, je rêvais pas mieux. Et en plus de ça, ce qui était encore plus beau, c'était que j'avais mon père qui avait fait le déplacement, m'avait fait la surprise. Il avait fait le déplacement jusqu'à Saint-Étienne pour venir me voir jouer pour mon premier match. Et donc j'avais pu fêter ça à la fin du match. Et je l'avais aperçu en fait qu'à la fin du match en plus, dans les tribunes. Et c'était vraiment un moment. Un beau moment. Ton acteur préféré? Moi, c'est Denzel Washington. J'adore les films qu'il fait. Ton actrice préférée? Je n'ai pas forcément d'actrice préférée, mais il y en a une que j'aime bien, qui jouait dans une série, Scandale, mais notamment dans un film, c'était Django. Bah, c'est Kerry Washington. Comme ça, on revient à Washington. Ton appli préféré? Il y a pas mal d'applis que j'aime bien, mais celle que j'aime le plus, je pense que c'est SoundCloud. Parce que SoundCloud, c'est la musique, et moi, la musique, je suis fanatique de musique, je peux pas m'en passer. C'est musique à toute heure, donc c'est SoundCloud. Ton plat préféré? Plat préféré, moi, ça serait un bon petit dombré, haricots rouges. De cochon, bah, franchement, puis comme dessert, un bon petit sorbet coco. La personne la plus connue dans ton répertoire téléphonique, y en a des personnes connues dans mon répertoire, mais après, la plus connue niveau national, niveau mondial, ah, je pense que c'est Dimitri Payet.
Ton expression créole préférée, hors mot vulgaire. Moi, franchement, c'est tiens bérette, pas molive. Surtout en ces moments difficiles. Donc, je vous dis tous un bon tiens bérette, pas molive.